fonctions linéaires et affines. Cet exercice basique. En allemand, on appelle tout ça linéaire Funktionen. Voilà le premier exercice. La fonction f qui a x associe moins 1,5x. La question qui se pose, quelle est l'image de moins 6 par cette fonction? F de moins 6 égale moins 1,5 fois moins 6 égale moins fois moins plus 9. Deuxième question, si g de x égale 4x, quel est l'antécédent de 2? Autrement dit, g de combien égale 2? G de x égale 4x, g de x égale 2. L'équation qui s'impose, c'est 4x égale 2. Du coup, x égale 1/2. Vérification, g de 1/2 égale 4 fois 1/2 égale 2. Voilà quatre fonctions. Indiquez lesquelles sont des fonctions linéaires. Celle-ci. Est-ce que celle-ci est de la forme a fois x, a étant une constante? Bien sûr, f de x égale, ici, si ça c'est f, 1 tiers fois x. Pour celle-ci, ça c'est le a, le b. Fonction g, g de x égale 3x plus x, ça fait 4x. Donc aussi une fonction linéaire. Ça nous fait deux fonctions linéaires. Celle-ci n'est pas linéaire, mais c'est une fonction affine. h de x, c'est de la forme ax plus b. A c'est 2 et b c'est 5. Tandis que pour la d, c'est la fonction carré. Bien sûr, certains voudraient que c de x égale x fois x, parce que x carré c'est x fois x. Mais remarquons, ici x n'est pas une constante, x varie. Donc x ne peut pas être pris pour a, le coefficient d'une fonction linéaire ou affine. On vient de représenter ici quatre fonctions linéaires. Cette droite-là, celle-ci, celle-ci, celle-ci. On se demande laquelle des droites représente la fonction qui à chaque x associe 2x. Celle-ci associe à 1 le nombre 2. Si x est 1, 2 fois 1, ça nous fait 2. Donc a serait déjà une candidate. Est-ce qu'ici f de 2 égale 2? F de 2, c'est 2 fois 2, c'est 4. Donc ça là n'est pas bien. Ici, f de moins 1 égale 2. F de moins 1, c'est moins 2. Donc c'est là non plus. Et la dernière, f de 2 égale 1. F de 2 égale 2 fois 2, 4. C'est là non plus. On rappelle que sur les axes des abscisses, c'est les valeurs de x. Et sur l'axe des ordonnées, sont les valeurs de f de x. La fonction linéaire qui a x associe 5 quarts de x est représentée par la droite D. Quel est le point qui n'est pas sur la droite D? A de coordonnées 0, 0, B de coordonnées 1, 5 quarts, 5 de coordonnées 4, 5 ou D de coordonnées 5, 4. Calculons f de 0. F de 0 égale 5 quarts fois 0, ça fait 0. Donc ce point, il est bien sur la droite D. Celui-ci, calculons f de 1. F de 1, c'est 5 quarts fois 1, ça nous donne 5 quarts. Donc ce point, il est bien sur la droite D. Ce point-là, calculons f de 4. F de 4, 5 quarts fois 4 égale 5. Simplifions par 4. Donc le point de coordonnées 4 et 5, il est bien sur la droite D, par la définition de la droite D. Et pour le D, qui a la dernière chance de ne pas y être, calculons f de 5. 5 quarts fois 5 égale 25 sur 4. Évidemment, n'est pas égal à 4. Donc ce point-là n'appartient pas à la droite D représentative de cette fonction. La droite ci-contre est la représentation graphique de la fonction la A, la B, la C ou la D. Si la fonction s'appelle F, on voit que
qu'on a cette information, f de moins 5 devait être 2. Combien ça fait ici, f de moins 5? F de moins 5, moins 5 fois moins 5, 25 sur 2, ce n'est pas égal à 2. Ici, f de moins 5, 2 sur 5 fois moins 5, ça fait moins 2, non plus. F de moins 5 égale moins 2 sur 5 fois moins 5, hop là, f de moins 5 égale moins 2 sur 5 fois moins 5 égale 2. C'est celle dont on avait besoin. Et pour le D, bien sûr, f de moins 5, parce qu'il y a une seule réponse qui est vraie, égale 5 demi fois moins 5, et ce n'est pas égal à 2. Réponse C. Quelles sont les images de 1 et de moins 1 sur 6 par la fonction affine 3x moins 1 demi? F de 1 égale 3 fois 1 moins 1 demi égale 3 moins 1 demi. 3, ça fait 3 sur 1 moins 1 demi. Main dénominateur 2, 6 demi moins 1 demi égale 5 demi. Et pour moins 1 sur 6, 3 fois moins 1 sur 6, moins 1 demi, est égal, on multiplie 3 par moins 1, moins 3 sur 6, moins 1 demi, égale, ce qui nous donne ici, moins 1 demi en simplifiant par 3, moins 1 demi encore, moins 1 demi, moins 1 demi, ça fait moins 1. Donc les images demandées sont 5 demi et moins 1. Et voilà, cet exercice basique de calcul d'image et d'antécédent par une fonction linéaire ou affine, en s'utilisant aussi sa représentation graphique.